Oui. Salut. J'ai rêvé où ton mec s'amuse à balancer des citrouilles sur notre porte d'entrée. Quoi? Non, c'est pas du tout son style. Arrête de te foutre de ma gueule. Belay. Non, ça a trop duré. Tu vas rompre avec ce connard ce soir. Arrête. Belay. Quoi? Arrête, stop. Tout va bien, y a pas de problème. Ce type est un alcoolique. Tu veux que je te dise comment je le sais? Parce que c'est un putain d'alcoolique. Moi, tout ce que je vois, c'est que je suis entrée dans ta chambre hier soir. Je voulais te piquer des bijoux pour mon déguisement et t'étais inconsciente. Oh, fais gaffe. C'est la bague de ma mère. Harper, t'avais un œil au beurre noir. Et aujourd'hui, est-ce que t'en vois un? T'es légèrement gonflé sous l'œil, signe d'une contusion du plateau orbital. Mais ça t'empêche en rien de venir avec nous. Et ça te sortirait de ton marasme amoureux. Non, j'ai pas de déguisement. Ce serait bizarre. C'est Halloween. Y a rien de bizarre ce soir. Désolé, j'étais en train de commander une autre bière. Et voilà. Merci. Je suis désolée. T'inquiète, c'est cool. Et sinon, tu connais Belay? Ouais, on s'est rencontrés en première année. Ah ouais? Et tu suis ses cours de yoga? Non. Non. J'habite avec elle, je suis Harper. Ah ouais, si, j'ai entendu parler de toi. Ah ouais, qu'est-ce qu'on t'a dit? Joyeux Halloween! Ça t'a fait sursauter. Ouais. En tout cas, ça m'étonne qu'on se soit jamais rencontrés plus tôt. Je sors pas tant que ça, à vrai dire. Je sors pas tant que ça, moi non plus. Pour rien te cacher, on m'a rappelé que c'était Halloween il y a seulement un quart d'heure, alors je me suis extirpé de mon lit et j'ai attrapé ma batte magique. Je déteste ce genre de fête. Ouais, mais au moins toi, t'as un déguisement. Attends, qu'est-ce que tu dis? Toi aussi, t'en as un. Si tu permets, tu fais ça et... Ta-da! Voilà, le petit chaperon rouge. Putain de merde! Qu'est-ce qui lui arrive? Evan, j'en ai ras le cul de ces conneries. Qu'est-ce qu'il prend, mec? Ça va pas? Je suis désolé pour lui. Putain de soirée de merde. Et d'abord, en quoi t'es déguisé? Comment ça, en quoi je suis déguisé? Ça va. Le début d'un mille pattes humain. Les deux potes avec qui je devais venir m'ont planté, et maintenant j'ai l'air d'un con. Ah ouais, t'es sûr que c'est parce qu'ils sont pas là? Ils t'ont planté parce qu'ils voulaient pas te bouffer le cul toute la soirée. Non, ils sont pas venus tout simplement parce que ce bar est pourri. Moi, je crois qu'ils se sont bien foutus de ta gueule. McDo et KFC sont au bout du bar.
Hé. Je t'ai vu aller vers la sortie. J'avais peur que tu t'en ailles. L'équipe m'a attribué le titre du pire déguisement. Je me suis dit que je pourrais le partager avec toi. Je savais pas que tu faisais encore partie de l'équipe. J'ai pris un mauvais lancer dans la figure. Je me suis explosé la pommette. Maintenant, je suis sur le banc de touche. Ça se voit pas trop. Et toi, alors? Quoi? Il t'est jamais rien arrivé d'effrayant? Je veux dire, c'est Halloween. On est censé se raconter des histoires qui font peur, non? C'est la tradition. Genre, tu voudrais que je te raconte ma vie? Ouais, t'es jamais rien arrivé d'effrayant? Je sais pas, je veux dire... J'ai eu une enfance tranquille et heureuse. J'ai une excellente relation avec mes parents. Enfin, j'avais une excellente relation avec mes parents, mais... Ouais, moi non plus, je leur parle plus trop. Allez, il faut que je rentre. Non, il faut que tu restes. Bon, et maintenant, on va où? Nulle part. Le labyrinthe hanté, c'est retard. Non. Si, je connais l'équipe. Non, non, ce restaurant est un vrai nid à bactéries. Ma cousine Kim est inspectrice sanitaire et elle leur a mis un dé. Et si on passait plutôt au food truck sur le campus et qu'on se mettait un bon film d'horreur? J'ai trop la dalle. Ah, moi aussi, petite j'ai seconde. Attendez. Ou alors, on pourrait aller visiter une maison hantée. Non. Ouais, une maison hantée. Non, j'ai allez, pas dit non, merci. Il y a au moins 5 maisons hantées dans le coin. Prenez-en une au hasard, qu'on en finisse. Et voilà, c'est parti. Evan, tu fous quoi? Bah, faut bien que je paye mes frais de scolarité. Ah, au fait, bouteille d'eau, ça tente quelqu'un? Ouais. Un petit bonbon à la menthe? Oui, avec plaisir. Ouais, c'est quoi ça? Oh, c'est un mélange de chlorophylle et de cannelle. Ouais, non, si tu crois que tu vas nous faire payer pour aller dans une maison hantée alors que c'était ton idée... Je suis un professionnel du covoiturage. Je peux pas vous emmener gratis simplement parce que vous êtes mes potes. Oh, ce serait pas juste par rapport aux clients qui payent. Tout est question d'équité, c'est primordial. Eh bien sûr. 5 étoiles, c'est qui le boss, bébé? T'es vraiment c'est important prince, que vous compreniez ce genre de choses. Ah non, putain! Qu'est-ce que tu fous? Ah, tiens, écoutez ça. Il y a la maison hantée de Jessie, si ça vous tente. Il n'y a pas moyen qu'on aille là-bas. Ah, je suis désolée, c'est jeter vrai, son argent par on y allait trop souvent. D'accord, alors tout le temps... Elle compte sur moi, je peux pas plus. Dis, Evan, tu peux tourner à gauche, s'il te plaît? Tourne à gauche, s'il te plaît. Ok. Mais on va où, là? Ouais, Harper, on va où? J'ai l'impression que quelqu'un nous suit. C'est pas une soirée maison hantée à l'hôpital, ça? Si, ils organisent un truc, mais j'ai pas du tout envie d'y aller. Avec les notes que je me tape en ce moment, c'est mort. Evan, tu fais quoi? Harper pense qu'on est suivi. Non, c'est pas ça. Mais vous avez pas vu cette voiture qui est partie en même temps que nous du bar? Des signes qu'on peut pas ignorer. On dirait la maison hantée qu'il y avait sur le flyer d'Evan. Evan, si c'est nul, c'est toi qui invite. C'est ça, compte là-dessus. Les gars, je vous aime beaucoup, mais ce soir, je passe mon tour. Je dois récupérer ma voiture demain matin. On s'en fout de ta caisse. Ah, t'as bu. On va trop s'éclater. J'ai trouvé qu'un seul commentaire sur le net. Allez, go. Oh, mais c'est cool, les bénéfices sont reversés à la Croix-Rouge. Vous savez quoi? Je crois que Bella a raison. L'heure tourne et il est déjà tard. On ferait peut-être mieux de... Harper, tu m'as promis que tu t'amuserais ce soir. Mon père s'est acheté un nouveau cabriolet. J'ai trop hâte de l'essayer. Je me déteste quand je fais des promesses. Dégueu. Qu'est-ce qu'il y a? Où est Evan? Attends une seconde. Merci. Evan!
J'arrive, mes jolies. Bon Dieu, vous croquez. Merci. Oh. Alors, voyons ça. Les gars, regardez, regardez, regardez. Ah, oh, Eva a peur des clowns. Mais non, j'adore les clowns. Salut. Bonsoir, monsieur le clown. Ben, il n'est pas très causant. Moi, je le trouve très sympathique. C'est chaud. Est-ce qu'on pourrait avoir 6 entrées, s'il vous plaît? Non? Bon, ok. Bien essayé. Excusez-moi, on aimerait accéder à votre établissement chelou, s'il vous plaît. Oh, ok. Putain, il est trop laid. Il me regarde. Ok, Bailey, si tu veux bien te donner la peine, ouais. C'est une mission pour toi. Ok, de toute évidence, c'est pas cette main. Et c'est l'autre. C'est une clé, c'est une clé, c'est bon signe. Je mets 5 étoiles pour l'ambiance pourrie et le clown qui fait des tours de magie craignos. Dites, vous faites aussi les anniversaires? Ici, c'est quoi? C'est un boulot saisonnier? Non, je demande ça parce que j'ai une nièce qui adore les clowns qui font peur. Alors, je voulais savoir si il était possible de louer vos services. Je prendrai votre carte avant de partir. Vous avez qu'à la sortir d'où vous voudrez. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Une décharge de responsabilité. C'est intitulé « Règle de la maison hantée ». Règle numéro 1, ne jamais quitter le parcours balisé. Règle numéro 2, ne jamais toucher les acteurs. Ah, ça, je peux pas le promettre. Règle numéro 3, vous serez sollicité pour réaliser certaines actions. Suivez très précisément les consignes, il en va de votre sécurité. Ouh, de l'action. Règle numéro 4, tous les téléphones seront placés dans un coffre avant d'entrer. Vous garderez un double de la clé du coffre jusqu'à ce que vous sortiez de la maison. Sérieux, ils se foutent de ma gueule, quoi. Ah, ça rigole pas. Non, je me dis que c'est ça qui doit te foutre le plus les boules, vu que t'es accro à ton téléphone. Les gars, rigolez pas, ils nous demandent de signer notre arrêt de mort. Ils poussent les boules. Ça vous va? Grave. Oh. Allez, on y va, j'ai trop envie d'y être. De la folie. Voilà. On est prêts? C'est parti. Super. Vous trouvez pas ça un peu... ridicule? Ouais, je suis d'accord. Faites patience, c'est censé nous foutre la trouille. La seule chose qui ferait flipper Bailey, c'est que le planning familial disparaisse. Et voilà, ça t'apprendra à dire des conneries. Pas super bien fait, leur truc. C'est clair. Oh, les talons, c'est pas une bonne idée. Comme effet, j'ai la tête qui tourne. Wow. Alors ça, c'est cool. Ouais, c'est déjà mieux. Oh, oh putain. Il y a une paroi en fer. Ouais, j'ai fini par la sentir. Oh, les gars, les gars, les gars, les gars. C'est une vraie sorcière, c'est pas une marionnette. C'est clair. Ouais, carrément. Oh, ouais. Qu'est-ce qu'elle fait? Hein?
C'était trop réaliste, wow. C'était énorme. J'en ai assez vu. C'est ça, et même que tu me passes en premier. Rêves. Si, tu seras première. Mec, puis ça, c'était chaud. Okay. Ouais, c'est qu'à le dire. C'était trop ouf. Allez. Pas dangereux ou dangereux? Moi, je prends dangereux. Dangereux, moi aussi, quelle évidence. Ok, bon, bah, dans ce cas, nous, on part à gauche. Et vous, vous partez à droite. Oh, non. Pleure pas. Allez. Oh, j'ai horreur des araignées. Oh, c'est bon. Non, c'est pas bon. C'est rien. Attention, la tête. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est dégueu. Putain, mais c'est des vraies araignées, en fait. Oh, bordel. Evan, Mallory, hey, regardez. Sympa. Attends une seconde. Qu'est-ce que c'est? J'en sais rien. C'est pas sérieux, ça a pas eu le temps de sécher. On dirait qu'ils viennent de repeindre les murs. Non, c'est pas de la peinture, c'est de l'huile. Ouais, c'est bizarre. Pourquoi ils auraient mis de l'huile sur les murs? C'était peut-être moins cher? Ouais. Non, l'huile est pas moins chère que la peinture. J'ai un cousin ingénieur en pétrochimie. Bon, et on est censé aller où? Peut-être que c'est une énigme. Bizarre. J'en sais rien. Vous avez entendu? On aurait dit le bruit d'une porte. Comment on fait pour l'ouvrir? À mon avis, elle s'ouvre que si le cercueil est fermé. Bon. Bah, il n'y a qu'un seul moyen de le vérifier. Si je reviens pas, vantez mes mérites. J'ai horreur des endroits confinés. Ouais, bah c'est pas comme si t'avais le choix. Allez, go. Mallory, je suis passée. Ok. J'arrive. Vous êtes là? Arrêtez, c'est bon. Ces enfoirés ont acheté leur matos au magasin de farce et attrape il y a deux jours. Regarde, tout est faux. Putain d'araignée. Non. Il n'y a pas moyen que j'entre là-dedans. Cool. Qui est volontaire? Regardez mon visage. Alors ça, c'est trippant. Angela, viens voir. C'est hallucinant. Wow.
C'est trop bizarre. Oh, il n'y a pas d'espace entre les deux reflets. Non. C'est un miroir double face. Ma cousine Summer est psychiatre criminologue. Cool. J'avais dit que je voulais pas ramper dans ce tunnel. Ouais, ben, t'aurais peut-être dû y réfléchir à deux fois avant de nous suivre. Oh, fais chier. Bon, bah. C'est un cul-de-sac par ici. Donc, on va devoir faire demi-tour. Tu rigoles? C'est beaucoup trop étroit pour faire demi-tour. T'es trop bourré, c'est tout. On repart en marche arrière, on va trouver un autre chemin. Je sens que je vais rentrer chez moi avec plein d'écharpes partout. Oh, les filles! Les filles, j'ai trouvé! Restez groupées! De qui tu te fous, là? Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire rester groupé. Ok, ça va, je te suis. On te suit. Les filles, c'est par ici! C'était quoi, ça? Elle est où, Mallory? Allez! Et allez! Vous, allez-y! Mauviette! Alors, je vous en supplie, lâchez-moi! Qu'est-ce que c'est? La cervelle! Non, mais t'es sérieuse? Je le savais. Bah. Je le savais. Ok. C'est encore ouais, chaud. C'est ça. Allez, allez. Ça me stresse ce truc. Alors. Ça va, je dirais ça va bien. Que c'est petit. Une bite? C'est rond. C'est plutôt doux. On dirait que t'es en train de décrire la paire de couilles des vannes. Oui, en soi, c'est logique, puisque j'ai trouvé un grain de raisin. Non, fais pas... À ton tour. Ok, c'est parti. Ça va aller. Attendez, je suis censée toucher un truc? Penche-toi un peu plus vers l'avant. J'y arrive pas, c'est... Je sens rien. Bon, allez. J'arrête, y a que dalle. T'es sûr? Putain, ma bague! Quelle bague? Tu te souviens pas l'avoir enlevée? Non, je suis sûre que je l'avais, c'est la bague de la mère d'Harper. Oh, elle va me tuer. Génial. Oh. Je crois que je la touche. Tu l'as? Ouais. Oh non, bordel. Je l'avais. Oh, fais chier, putain. Attends. Non, je l'ai fait tomber. Faut on va la récupérer, elle tient énormément. Essaie de... d'attraper ma main. T'y arrives? Bon, elle a pas du tout... Quoi? C'était quoi, ce truc? T'as senti? Non. Y a un truc qui m'a touché la main. Arrête de bouger. Je bouge pas. Y a un truc qui m'a touché. Tu sens quelque chose? Il y a quelqu'un derrière ce panneau. Écoute. Non, je rigole. Mais moi, je rigole pas! Aide-moi à me dégager de là! Il y a un truc qui va attraper. Comment ça? Ça va aller. Je vais te sortir de là. Bailey? Oh putain! Mallory? Est-ce que tu nous entends?
de venir vers nous en suivant nos voies. J'entends un truc. Malo ? Copine est encore dans le tunnel. J'ai l'impression qu'il veut qu'on continue. Ok. J'aurais peut-être pas dû le pousser. Ouais. Attendez, attendez, non, surtout fermez pas la porte. Fais chier. Ça va ? Putain. Oh putain de merde, Bailey, qu'est-ce qui t'est arrivé au bras ? C'est rien, ça va. De toute façon, j'ai plus. Qu'est-ce qui se passe ? Attendez, où est... Où est Mallory ? Est-ce qu'on est enfermé ? Pardon ? Vous m'entendez ? Excusez-moi, excusez-moi, notre ami est blessé, on a besoin de votre aide. Hé, hey, excusez-moi, il y a quelqu'un qui est blessé. S'il vous plaît, madame ? Hé, hey, madame ! Hé, hey, madame, s'il vous plaît, on a vraiment besoin de votre aide, notre ami est blessé. Mallory ! Qu'est-ce qui se passe ? Mallory, qu'est-ce que tu fais ? Mallory ! Oh ! Mallory, putain, non ! Réveille-toi ! Mallory ! Mallory, réveille-toi ! Thank you.
appeler la police. Ok. Il nous faut un téléphone. Ils sont tous dans ce putain de coffre. Dans ce cas, il nous faut la clé. Qu'est-ce qu'il a? Me dites quand même pas que c'est Mallory qui l'avait. Nathan. Merci, Belle. Bon, comment on fait? On trouve le coffre avec nos téléphones à l'intérieur. Mais on peut pas revenir sur nos pas. J'ai vu une sortie. Où ça? Par là où on est passé. Quel genre de sortie? C'était écrit sortie de secours. Evan, viens voir. Va falloir tout donner, ok? Tu peux y arriver? Tu crois que tu peux l'ouvrir? Une épingle à cheveux. Une épingle, ouais. Oh, Angela! Voilà, il y en a trois. Trois épingles. Allez, vas-y. Allez, ouvre-toi. C'est une serrure à deux gorges. Monsieur, j'ouvre ce que je veux, il est passé où? Je parlais d'un cadenas ou d'un casier. Je suis responsable technique par Robert De Niro dans okay, Hit. Ok, Evan, calme-toi. Faut juste qu'on fasse sauter cette serrure. Écoute. Et si on avançait encore un peu? Non, 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 c'est pas une je bonne idée. Je parlais pas de nous cinq. Juste toi et moi. On avance encore un peu. Et on essaie de trouver, je sais pas, une baramine, histoire de dégonter la porte. Ok, j'y vais seul. Reste ici, j'y vais seul, j'y vais seul. Reste avec les filles. Allez. Ok. Ils savent tout sur nous. Ils ont nos adresses. Ils ont le nom de nos parents. Evan? Evan, qu'est-ce que tu fous par terre? La sorcière est plus là. Il doit y avoir une porte secrète ou quelque chose. Non, laisse tomber, va pas chercher à les contrarier. Une seconde! Non, arrête! Angela, viens ici, s'il te plaît. Viens! Ton bras, il passe sous le grillage? Quoi? Il y a une sorte de tisonnier juste là. Moi, je passe pas. Tu peux essayer? Pourquoi? C'est la seule manière qu'on a de dégonder la porte. Allez. Vas-y. Oui, oui. C'est bien. On a une personne du groupe qui est blessée. Hé ! Hé !
T'as besoin d'aide? Ouais. Attendez. J'ai dit à mes amis que je revenais tout de suite. Ils sont juste à côté, dans la pièce avec le grillage. Vous pensez qu'on peut y retourner ensemble? J'ai quelque chose à prendre. Je suis sincèrement désolée, Harper. Pourquoi? J'ai perdu la bague de ta mère. Il fallait qu'on mette notre bras dans un trou et je l'ai fait tomber dans la maison hantée. C'est pas grave, t'inquiète. J'ai grandi dans une maison hantée. J'adorais cet endroit. Et à la fois, je le détestais. C'est dans cette maison que mon père me lisait des histoires. Qu'il m'a appris à faire du vélo. C'est aussi là qu'il frappait ma mère. J'avais pris l'habitude de monter dans ma chambre et de me réfugier sous le lit. Et un jour, alors que j'étais cachée, il a violemment poussé ma mère au sol, comme si de rien n'était, comme si c'était devenu quelque chose de normal. Ça fait 4 ans que je suis pas rentrée. Mais je continue de faire sans cesse le même cauchemar. J'y retourne et je sonne à la porte. Je suis terrifiée à l'idée de tomber sur mon père. Mais c'est ma mère qui ouvre. Elle me dit qu'il est parti, qu'il reviendra jamais. Que la maison est plus hantée et que j'ai plus besoin d'avoir peur. Allez, t'y es presque. T'y es presque. Non, non, j'y arrive pas. Oh, mais allez, il est juste là. Juste là. Ok. Ça va aller? Allez. Ouais, ça va. Ok. C'est bien. Faudrait que je passe l'épaule. Ok. Voilà. C'est bien. Un tout petit peu sur la gauche. Plus à gauche, plus à gauche. Je le sens. T'y es presque. Allez. J'ai l'impression d'être ma cousine Alina. Elle est proctologue. Sérieusement, Angela, combien t'as de cousins? 46. Ah ben dis non. Non, je le touche. Je l'ai. Je l'ai. Yes, bien joué. Maman. Hé, qu'est-ce qui se passe? Oh non, elle saigne. Angela? Oh merde. Qu'est-ce qui t'est arrivé à la main? Il faut qu'on la sorte immédiatement. Et d'après vous, qu'est-ce que je suis en train de faire? J'ai les clés. Où ça? Je suis désolé, les filles. C'était pas censé se passer comme ça. Bon, écoutez, la seule chose qu'on veut, c'est sortir. J'ai pas besoin de parler à votre responsable. Ni moi, ni les autres, d'ailleurs. On n'a rien vu. Rien entendu. Tout ce qu'on veut, c'est rentrer chez nous. Alors, on va sortir. C'est ce qui me semblait.
savais bien qu'il n'y avait pas de sortie ici. Alors pourquoi vous avez rien dit? Et si on montait le tunnel? Vous pourriez, mais il faudra y aller un par un. Il y a une trappe cachée dans ce tunnel. Elle s'ouvre si trop de personnes sont à l'intérieur. Pourquoi est-ce qu'il y a une trappe dans votre tunnel? C'est une manière de capturer les clients pour les faire participer au spectacle. Vous avez vu la mise en scène de la sorcière. Ça. Arrêtez de nous prendre pour des cons. Notre amie est morte à cause de votre putain de spectacle. Elle n'est pas morte. Elle est en train de vous attendre dehors, sûrement, à se demander ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il dit? Écoutez, je reconnais qu'on n'y va pas de main morte, mais votre sécurité fait partie de nos priorités. Je vous interdis de nous parler de sécurité. Ne venez pas nous parler de sécurité. C'est quoi votre nom d'abord? C'est quoi votre putain de nom? Monsieur, je m'appelle Harper. Je tiens à vous dire qu'on apprécie beaucoup votre aide. Alors pourriez-vous nous dire qui vous êtes? Appelez-moi Mitch. Merci, Mitch. C'est quoi votre nom de famille? Ok, Mitch. Je vais vous dire ce que j'en pense. Je pense qu'on serait tous beaucoup plus à l'aise si vous enleviez votre putain de masque. Ouais, virez votre masque. Et que vous nous disiez votre prénom et votre nom. Je me fiche du chemin que vous voulez prendre. Mais sachez que vous êtes quasiment à la fin de la maison hantée. C'est sûrement plus long de revenir sur vos pas. On a été clair à ce sujet, on veut pas continuer. Attendez une minute. Qu'est-ce que vous en dites si on prenait le tunnel chacun notre tour? T'as vraiment envie d'y retourner? Non, ce que je veux, c'est sortir d'ici. Ok, alors voilà ce qu'on va faire. Je me souviens assez bien du parcours du labyrinthe. Je prends la clé du coffre, je retraverse le tunnel, je retrouve la sortie. Je chope nos téléphones et j'appelle la police. Nathan, passe-moi la clé. Je l'ai fait tomber. Ah bah ça, c'est bien joué, mec. Bon, tant pis. Je ferai péter la serrure. Donc, j'y vais en premier. Ensuite, on envoie l'autre bus pour qu'il vous attende de l'autre côté. Ensuite, ce sera ton tour, Nathan. Suis-le avec le tisonnier à la main, au cas où Mitch oublie dans quel camp il est. Ensuite, Bella et Angela, parce qu'elles ont besoin de se faire soigner. Et pour terminer, Harper. Une dernière chose. Je veux vos clés. Quelle clé qui ouvre? La jaune, évidemment. Ok, c'est bon. Allez-y, à vous. Allez. Allez, réfléchis. Dangereux, pas dangereux. Pas dangereux, dangereux. Ok. Putain! Merde!
attendre le feu vert de Nathan. Nathan, bouge-toi! Dégagez! Non, faut qu'on attende, il risquerait de tomber dans la trappe. Dégagez, je vous dis! Tirez-vous! Debout-toi! Allez, dépêche! Rentre là-dedans, allez! Tu peux y arriver! Allez, Maïto! Maïto, il se rapproche! Mais où il est? Où il est? Où sont les autres? Ils sont juste derrière moi. Et nos téléphones, ils sont où? On va vous les rendre. Qui tu cherches à joindre? Je veux parler à Harper. Je suis son mec, Sam. Allô? Tu arrives trop tard, Sam. Bon, écoute-moi, espèce de pique.
qui tu es vraiment. Sur ta gauche! Où sont tous mes amis? Ils devraient déjà être là. Est-ce que tu as toujours envie de voir mon visage? Hein? Est-ce que tu as toujours envie de voir mon visage? C'est comme vous voulez, moi ça me va. Oh, t'as plus envie? Tout ce que je veux, c'est rentrer chez moi. Au 24-25 Lincoln Road. Quoi? Tout à l'heure, tu as dit que tu voulais voir mon visage. Alors, je me demandais si tu avais toujours envie de le voir. Il n'est pas complètement terminé, mais... Oh, je pense qu'il te plaira. Thank you.
Il y a quelqu'un. Où sont mes amis? Vous pouvez me dire où ils sont? Moi, tout ce que je veux savoir, c'est si mes amis sont encore vivants. Je veux juste m'assurer que tout est cool. Et la seule chose... Trouve la clé pour sortir de la maison en
Quelque chose se cache sous le lit. Pourquoi tu te caches ? Écoute, ma chérie. Maman va bien. Parfois, les adultes font des choses stupides. Tu n'as pas de raison d'avoir peur de moi, tu comprends? Je suis désolée. Il t'est jamais rien arrivé d'effrayant? Harper, dis-moi pourquoi t'as l'air aussi triste. Tu trouves que je suis triste? J'ai grandi dans une maison hantée. Allez, sors! On va t'enlever ton masque. Thank you.
Non. Hey, je suis à la recherche de ma copine. Hey, mec, j'ai dit que j'étais à la recherche de... Oh.
Recule. Ils veulent nous tuer. Nathan. Comment je m'appelle ? Attendez. J'ai tué personne, moi, ok? Je faisais que les aider. Je suis désolé. Ces types sont complètement tarés. Ils m'avaient pas dit que ce serait pour de vrai. Au début, je me suis dit, allez, pourquoi pas? On va faire peur à une bande de gosses, et puis ils sont mis à vous buter chacun à votre tour. Ensuite, ils m'ont dit que si je tuais quelqu'un, ils me laisseraient en vie. Moi, je suis qu'un pauvre coursier. Je vais leur acheter ce qu'ils me demandent, c'est tout. On ferait peut-être mieux de prévenir la police. Je sais pas comment ils s'appellent, mais je crois qu'il y en a un qui est tatoueur et un autre qui est... Et qu'est-ce que tu fous ? T'inquiète, y a pas de soucis. Tu fais beaucoup trop de bruit. C'est bon, je sais où il plante la flingue. Laisse tomber, on s'en fout, faut qu'on se tire. C'est bizarre. Il était censé... Tu es la seule à être arrivée aussi loin. Harper ! Allez.
Bonjour. Désolée de vous déranger. Votre ami est tiré d'affaire. Il est dans la chambre d'à côté. J'aurai quelques papiers à vous faire signer. Masque.
strangle.